Les forces de sécurité sont présentes sur la route et comme chaque année, elles constatent lors de ces grands week-ends de chassés croisés des infractions à la réglementation au code de la route. Donc quand on est comme ça dans un week-end de grand départ, ce qu'on attend effectivement des usagers pour qu'ils passent ensuite de bonnes vacances, c'est de respecter les règles de sécurité, le code de la route et en particulier c'est ce qu'on contrôle aujourd'hui, le chargement des véhicules. On a des jours de réserve qui doivent être supérieurs à 12-13. Actuellement, on est un tout petit peu en dessous. Donc on a un peu de réserve, mais il faut que les gens se mobilisent pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des malades. Ils ont besoin de transfusions sanguines et surtout en plaquettes. Et donc si on n'arrive pas à collecter, on ne pourra pas répondre sur tout le territoire aux besoins des malades.